Certains disent de moi que je suis un bad guy. Mais il y a un poète qui sommeille en moi. Lorsque vient l'heure, au lieu de cueillir des fleurs, je découpe des joueurs. C'est ça, les player killers. Et toi, à quoi tu joues ? Un monde virtuel où on peut te péter de pouvoir ? Mais ça peut être carrément bien, ça ! Mais c'est quoi ce costume de pécor ? Ça, vois-tu, c'est un costume d'assassin de niveau 1. Niveau 1 ? Et c'est puissant, ça, niveau 1 ? Non, pas vraiment, non. Tu vois le caillou, là ? On peut considérer qu'il est niveau 0. Toi, t'es juste un peu au-dessus, mais vraiment, juste un peu. En même temps, tu viens juste de commencer, non ? Non, mais je vais quand même... Attends une seconde. Tu es assassin, toi aussi, non ? Oui. Bien. Alors, c'est simple. Je veux tes fringues, tes bottes et ta monture. Allez, on s'active! Ok, je vois s'il faut sortir la série lourde. Simone, appelez-moi Caleb. Vous m'avez sorti de mon labo pour que je vous aide sur un jeu vidéo. Vous me rappelez qui signe vos chèques à la fin du mois? Oui, alors vous venez. Un perso surpuissant. Bon, ça fait un peu 6 mois que je suis connecté là-dessus, donc je connais un peu. Le tout, c'est de connaître les bonnes adresses avec une petite carte gold. Votre bonheur est à vous. Dégagez. Dites pas merci, surtout. Votre gueule. Alors c'est toi, le farmer chinois? Je ne suis pas chinois. Oui bon, ça va, chinois, japonais, vietnamien, c'est pareil. Donne-moi plutôt ce que j'ai commandé, j'ai un planning assez chargé. Je dois exterminer la vermine de tout à l'heure, et en plus, il faut que je répande le chaos. Alors, voyons. Les... Non mais c'est quoi cette histoire encore? Vous êtes niveau 1, et cela ne marche pas au niveau 1. Mais c'est pas censé être cheaté vos trucs là? Foutu produit made in China! Toi! Oui? Il faut que je m'équipe de tout ça! Trouve une solution! Je suis un farmer, je suis pas un hacker. Hélas. Un hacker, hein? J'imagine que t'en connais un bon? Yeah! Et l'info est pas gratuite, bien sûr. En effet. Ah ouais. 300. L'argent n'est pas un problème. Envoyez la facture à la Flanders Company. Je voulais dire 300 000. Faut pas abuser non plus. 300 ou rien. Et 300 de plus, tu le fais venir ici. Vendez-vous. Eh bien, je t'en prie. Bon. Tenchirok. 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 Ah, mon petit H. Je vais finir par croire que tu ne peux plus te passer de moi. Yo, Tenchi. J'ai un client pour toi. Un client? Ah, non, 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 tu sais que je ne fais plus de commandes. En fait, c'est un cas un peu particulier. J'ai besoin d'être cheaté. Ah, si monsieur a besoin d'être cheaté, c'est tout à fait différent. Non, mais ça va pas. Je ne réalise plus les fantasmes des geeks boutonneux. Aujourd'hui, je libère les no-life du joug virtuel, ce qui est une cause beaucoup plus noble, vous l'admettrez. Qui a dit que j'étais un simple joueur? Écoute, je suis ici pour effectuer une petite simulation d'apocalypse. Envisage ça comme une expérience sociologique dont le but est d'observer le comportement des gens confrontés au chaos et à la destruction. Ok, c'est capillotracté. Alors voilà ce que je te propose. Je te donne accès entièrement et librement aux ressources informatiques de la Founders Company. Tu pourras y faire toutes les opérations illégales que tu veux. Et en échange, je veux le personnage le plus cheaté qu'il soit. C'est vrai qu'il a l'air absorbé par son travail. Ah bah c'est justement ça qui est inquiétant. Il a pas l'habitude, hein. Il va nous péter une durite, hein, c'est moi qui vous le dis. Au pire, j'ai mes médocs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée.
Regardez ce qui nous est arrivé. Ça fait une heure qu'on est coincés là. Il y a une alerte virus général. Bah, faites une requête auprès d'un maître du jeu pour qu'il vous débloque. Ils sont tous mobilisés pour tenter d'arrêter l'avancée du virus. Il y a vraiment pas moyen d'en trouver un. Ah ça, quand il s'agit de persécuter les honnêtes joueurs, ils débarquent n'importe où et n'importe quand. Hein. Mais quand il y a un vrai problème, là, il n'y a plus personne. Et au fait, surtout, évitez les capitales. Oui, paraît que c'est l'hécatombe. Putain, mais c'est pas vrai. Fuyez, c'est le virus. Alors, c'est qui le pécor maintenant? Etienne, supprimez pas mon personnage. Tiens, tiens, tiens. Eh ben bravo! Si t'avais pas crié comme un gorille, il nous aurait pas repéré. Kenshirok, claque des doigts pour moi. Et le smorbi, quoi, lui! C'est pas Gaïa qui vient de passer? Tiens, 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 une vieille connaissance. Je te le laisse si tu veux. Oh, c'est si gentiment proposé. Hein, quoi? Non, j'ai rien fait moi cette fois-là. Hein. Je sais, c'est purement gratuit. Considère ça comme une avance pour la prochaine fois. Finalement, j'ai pas perdu ma journée. La belle tête de winner. Toi, je vais te... Mais y a vraiment pas moyen de bosser tranquille ici. Caleb, qu'est-ce que vous avez encore foutu avec le wifi? C'est pas moi, c'est Gladys. Elle a fait péter le réseau en bouffant les câbles électriques. Je m'en fous, réparez-moi ça de suite. Nya nya nya, Caleb ci, Caleb ça. Il t'emmerde, Caleb, toi et ta permanente. Vous savez, je vous entends. Non! Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai pas la moindre idée. Les MJ ont dû trouver la faille. En tout cas, c'est amusant. Ouais, mais ton pain tombe encore à l'eau. Bon, bah sur ce, j'y vais, j'ai pas envie de me faire choper. Ah, mon petit H. Tu me connais bien mal, je suis beaucoup plus subtil que ça. Tout ceci n'était qu'une mise en bouche avant le plan Noob Power.